Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au concert à distance de la fin bac de l'accord 2018 de l'Université de Sherbrooke. Les 7 finissants présenteront à tour de rôle les projets qu'ils tiennent à cœur et qui définissent leur parcours académique dans le programme professionnalisant de composition et musique à l'image. Nous avons tous travaillé extrêmement fort ces dernières années et sommes tous fiers de notre développement. Donc, sans plus attendre, voici les présentations de Éric Beaulé-Brouillard, Antoine Martin, Alexis Amnotte-Dupuis, Chrissy Gagné, Valérie Lambert-Fréchette, Philippe Poulain et Dominique Brouillard. Merci et bonne écoute. Bienvenue à ma présentation. Je suis Éric Beaulé-Brouillard, compositeur, musicien-interprète professionnel et futur enseignant de la musique. Je suis comme le mouton noir de la cohorte 2018, car j'ai initialement commencé en 2017. Mais tout le monde sait que les parcours universitaires, il y en a de tous les genres. Il n'y aura jamais assez de mots pour décrire les émotions, les échecs, les réussites et les questionnements existentiels que j'ai vécu dans le bac. Le cheminement en composition à l'École de musique de l'Université de Sherbrooke m'a permis de découvrir plusieurs nouvelles passions. J'ai plusieurs projets en tête qui ont forgé mon parcours. En voici quelques extraits qui survolent la conclusion de mon cheminement. Le premier extrait du jour est tiré d'une pièce qui représente mes influences en musique de super-héros. Je suis un fan fini de Marvel, un vrai geek malgré les apparences, et j'ai une passion pour la musique de films épiques. Dans le bac, la musique épique n'était pas dans les plans de cours. C'est dans des cours privés que je pouvais jouir de mon vice caché. La musique avec des grosses percussions et des thèmes héroïques était considérée comme de la musique bonbon ou de la musique simple. Tout le monde peut faire de la musique épique, c'est ce qu'il disait. Moi, en tant que drummer et percussionniste à la base, la musique épique était la place où est-ce que je pouvais mettre des percussions dans le tapis. Amenant des synthétiseurs, amenant des cuivres, amenant des riffs de guitare joués au violoncelle comme s'il n'y avait pas de lendemain, amenant des chorales faites en dupliquant ma voix 48 fois dans mon sous-sol. Pour la création de cet extrait, j'avais carte blanche. Mon professeur Maxime Goulet m'a laissé prendre le chemin du vice. Alors, cette œuvre est inspirée de la musique de Danny Elfman dans un film qui a marqué mon enfance en 2002, c'est-à-dire Spider-Man. Par la suite, cette pièce a été utilisée comme source d'inspiration pour la confection d'un jeu vidéo par des étudiants du Cégep de Limoilou. Voici The Next Hero. Le second extrait suit le même thème que le précédent avec une légère variation d'intensité. La session dernière, j'ai eu la chance de faire un partenariat avec le Cégep de Limoilou. La commande était de faire deux pièces de 40 secondes qui allaient jouer en boucle ainsi qu'une pièce pour le menu principal. Le jeu était basé sur l'extrait précédent, alors je n'avais qu'à réutiliser le matériel mélodique et harmonique pour garder une continuité dans le jeu. La pièce suivante est intitulée « Opening », ouverture en français, en l'honneur de sa fonction dans la pièce qui était pièce de menu principal. Je disposais d'une semaine pour créer la maquette, le produit fini et le mix final. Je devais transformer une pièce épique, très percussive,
en œuvre lyrique et sensible. Ce fut un défi qui a usé de mes acquis en arrangement et en orchestration. J'ai écouté plusieurs pièces d'ouverture de jeux vidéo et j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup d'espace entre les phrases musicales. Cet espace musical était utilisé afin de créer une ambiance immersive pour le joueur. La musique de jeux vidéo est une nouvelle corde à mon arc et certainement une nouvelle passion. Dans mes cours privés avec le talentueux Maxime Goulet, j'ai eu la chance de poursuivre le partenariat avec le cégep de Limoilou pour faire un deuxième projet. Le deuxième projet nous a été assigné aléatoirement. J'ai eu le mandat de faire deux pièces. Ces pièces devaient dégager de la nervosité, de l'agressivité, avoir des sons électroniques, avoir des synthétiseurs, avoir des guitares électriques et tout ça en 2-3 minutes. J'étais absolument motivé. J'étais prêt à me laisser aller dans un monde qui mariait la distorsion avec des éléments synthétiques. Grâce aux différentes techniques de prise de son et de mixage audio, j'ai pu me démerder avec ma propre guitare et quelques synthétiseurs. Ainsi, j'allais chercher le côté analogue, qui avait une infinité de particularités, qui faisait contraste avec le digital, qui a une limite de particularités. J'ai ensuite ajouté des instruments de percussion synthétique pour souligner un sentiment de pression et d'agressivité. Les deux se sont mariés à merveille. L'équipe du jeu m'avait envoyé quelques pièces du jeu Doom, réalisées par Mick Gordon. Je devais utiliser ces références et me guider dans mes choix esthétiques. Évidemment, j'ai fait des recherches pour voir ce qui se faisait dans les styles semblables. À ma surprise, j'étais sensiblement dans les bonnes cordes. Voici des extraits de Charging et Charging 2.0.
Il me fait alors chaud au cœur de vous présenter le prochain extrait qui représente la découverte d'un nouveau genre pour moi. Avant, je ne savais pas que la musique appelée électroacoustique pouvait être aussi passionnante à composer. Pour être franc, c'est un style qui est plus plaisant à faire qu'à écouter. C'est l'art d'agencer des sons courants comme un grincement de porte, des clés, une tondeuse, un ronronnement de chat. Oui, je l'ai déjà fait. Et de manipuler ces sons pour en extraire des rythmes et des textures vraiment originales qui vont servir à composer une pièce que personne ne va écouter à part toi et ton prof. Blague à part, c'est une technique utilisée dans plusieurs films, des jeux vidéo pour créer des tensions et des ambiances spécifiques. Pour cette pièce, j'ai eu quelques semaines pour enregistrer des sons inusités, me construisant ainsi une banque de sons uniques et personnalisés. Avec ces sons, j'ai créé une pièce qui allait faire une synthèse de tous les concepts vus en cours d'électro. L'image qui a inspiré cette composition était plutôt horrifique. Bonne écoute. Le prochain extrait est très spécial pour moi. Ça fait partie d'un projet qui a enflammé ma passion pour la musique avant mon arrivée dans le programme. Tu sais, le rêve de jouer sur scène, d'entendre une foule chanter les mélodies que tu as composées, de voir les gens danser et sauter sur les rythmes que tu joues. Tu sais, le rêve de la rockstar, de la légende. Ben moi, depuis que j'ai rencontré mon groupe, je le vis. Avec ce groupe, je vais aller loin. Tout récemment, nous avons officialisé les choses. Nous avons appris, à travers les différentes expérimentations et plusieurs années d'études en musique, que le son d'une pièce est intimement lié à la production. Nous avons décidé de ne pas tomber dans le piège de la production populaire et industrielle, où les chansons sont pondues sans arrêt dans un même univers sonore. Nous avons décidé de nous laisser guider par la nature de chaque pièce. Détrompez-vous, c'est bel et bien une chanson pop-rock, mais unique dans le lot qui est l'album. Lors de la production de cette chanson, j'ai eu le rôle de coproducteur, d'arrangeur, d'assistant studio et d'interprète à la batterie et aux percussions. Grâce aux expérimentations faites dans le bac au niveau de l'enregistrement d'instruments et grâce à plusieurs échecs, on a réussi à enregistrer un son professionnel. Si ce n'était pas de l'environnement professionnalisant qui nous a permis de nous planter et d'apprendre de nos erreurs, nous n'aurions jamais eu l'audace de dire « Hey! » On va s'autoproduire à grandeur. Le studio dans lequel le son de l'album est né est construit à la main par le chanteur-guitariste Élie Gagné lui-même. J'ai aidé à poser la cloison sèche au plafond, mais il a pas mal fait le reste. C'est vraiment un son unique qui nous appartient. Bref, nous sommes confiants que cette chanson a atteint une certaine maturité et qu'elle est enfin prête à être publiée. Le mixage et le matrissage de cette chanson a été fait par le légendaire Olivier Béliveau. Merci Olivier. J'ai l'immense honneur de vous présenter un avant-goût de cette première chanson qui paraîtra sur l'album Finding Home en janvier 2021.
Voici l'art de cacher son malheur par mon ami, mon frère, mon partner in crimes, Ellie Woods. Je prends une autre dose et je fais la passe de l'art de cacher son malheur. Pour conclure cette présentation, je suis arrivé jeune et curieux dans le programme. J'avais une soif de savoir. Je voulais approfondir mes connaissances en musique, en enregistrement, en mixage audio et en savoir plus sur l'industrie de la musique. Bref, je voulais me partir une carrière, je voulais savoir qu'est-ce qui se passait dans le milieu musical. Aujourd'hui, j'en ressors plus outillé et plus confiant dans mes compétences que jamais. Je serai toujours en apprentissage. Il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans ce domaine. Avec la barbe, est venue l'écoute active, la patience, la reconnaissance et la résilience. Ici, j'ai bâti des amitiés et des relations qui vont durer toute ma vie. J'ose croire que je vais maintenant pouvoir apporter une énergie positive dans la vie des gens avec ma musique. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Antoine Martin et je suis un compositeur de musique orchestrale, musique de jeux vidéo. J'ai des influences variées, j'aimais beaucoup écouter le rock quand j'étais au secondaire, mais de plus en plus j'écoutais de la musique de film, je commençais à composer en même temps et j'ai jamais arrêté la musique, j'ai toujours aimé ça et je me suis donc dirigé vers la musique à l'image à l'Université de Sherbrooke pour pouvoir pousser mes connaissances en orchestration, entre autres, et en musique numérique, donc avec des banques de sons. Comme je vous ai dit que j'aimais la musique de jeux vidéo, c'est ce que j'ai étudié avec Maxime Goulet en cours privé, et dans lequel j'ai fait un projet avec les étudiants de cégep de Limoilou. De la manière que le projet a fonctionné, les étudiants ont entendu notre musique avant de faire le jeu vidéo, se sont inspirés donc pour faire le jeu vidéo. Dans mon cas, débutant avec Maxime, j'ai fait une musique de poursuite, d'action. Donc, avec un peu de danger, avec Maxime, on a beaucoup exploré aussi les accords relations de tierces. Et en écoutant la musique et la musique de ma collègue Chrissy, ils ont décidé de faire un jeu puzzle, de type puzzle, où les joueurs accèdent au niveau supérieur en déplaçant des objets au bon endroit, ce qui permet d'ouvrir des portes. Et ma musique est utilisée vers la fin dans les niveaux plus élevés où un monstre les menace et le temps est plus serré pour réussir à accéder au niveau suivant. Donc, j'ai présenté une musique mouvementée et je vous présente donc ma première pièce, pièce jeu vidéo.
comme j'ai mentionné tantôt, j'aime beaucoup la musique orchestrale, la musique donc pour grand orchestre, particulièrement la période impressionniste jusqu'au début de la période moderne. J'aime aussi beaucoup John Williams, idole de tous, compositeur de musique de film. Puis, dans notre cours de connaissance répertoire, j'ai donc voulu explorer l'orchestration que j'aimais beaucoup, l'orchestration d'un compositeur que j'aimais beaucoup. J'ai donc analysé la valse de Ravel. Dans la valse, Ravel s'amuse vraiment beaucoup à entrer et sortir du style de la valse. C'est inquiétant, mais dansant. Et j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à l'analyser et à en sortir des éléments d'orchestration importants. Donc, je vais vous présenter une pièce que j'ai commencé à composer avant de faire ma recherche sur la valse de Ravel et qui avait une direction complètement autre que la valse de Ravel. Ma composition qui était un brin mystérieux mais qui allait vers le positif, peut-être même l'héroïque, était vraiment loin de la valse de Ravel qui, elle, était plutôt... qui était plutôt gracieuse et qui tombait vers l'autodestruction. Donc, j'ai voulu reprendre cette pièce que j'avais commencé avec Benoît Groulx et appliquer les procédés de ma recherche dans ma composition. Mais il n'y avait pas beaucoup d'éléments similaires. Il y avait une montée de cuivre. C'est ça. J'ai essayé donc de ramener plus d'éléments de la valse de Ravel sans quand même en faire une valse. Donc j'ai ramené beaucoup plus d'éléments où est-ce que, par exemple, j'ai rajouté des sections où est-ce que c'est seulement les cordes qui jouent un peu les bassons. J'ai fait à la manière de la valse de Ravel beaucoup de divisions dans mes cordes. J'ai rajouté beaucoup de mouvements dans mes bois, tout inspiré de la valse de Ravel. Ça a quand même un résultat très différent de la valse de Ravel, mais je vous présente quand même ma pièce orchestrale, L'Appel. Donc, pour finir, j'ai un petit extrait bonbon. Nous avons fait, quelques étudiants ici, un partenariat avec le département informatique pour faire la musique de jeux vidéo. Je me suis allié à un projet qui, en fait, n'est pas tout à fait un jeu vidéo, mais plutôt
une plateforme dans laquelle on peut faire des jeux vidéo. En gros, c'est un éditeur de jeux vidéo. Et la demande était de faire une musique ludique et enjouée pour que la personne apprécie le temps passé dans l'éditeur à créer son jeu. Donc, je vous présente ma dernière pièce, une pièce enjouée, pièce pour le projet qui s'appelle Maxbox. Et bonne écoute. Donc, en conclusion, je suis venu ici à l'Université de Sherbrooke pour pousser mes connaissances en musique orchestrale et la musique avec des bandes de son virtuelles. Et j'espère que vous avez apprécié ce que je vous ai présenté et au plaisir de vous voir. Bonjour, moi c'est Alexis Amenot-Dupuis, compositeur comme mes collègues. Je m'intéresse particulièrement à la musique interactive, la musique de jeux vidéo, mais aussi à la musique à l'image en général. Je vais vous présenter deux projets en jeux vidéo auxquels j'ai eu la chance de participer et un projet en musique de film. Mon premier projet, c'est le jeu Child of the Storm, un jeu qui a été développé par des étudiants en conception de jeux vidéo du Cégep Limoilou. Comme ça a été mentionné dans les présentations précédentes, il y a quelque chose d'assez atypique avec ce projet-là, c'est que j'ai d'abord composé ma pièce avant même que le jeu ait été conceptualisé. C'est donc ma musique qui a inspiré le jeu et non l'inverse. J'avais eu envie de composer une pièce 8 bits et ça a inspiré un jeu 2D en pixel art. Je souhaitais recréer une musique telle qu'elle était sur la Nintendo Entertainment System, ou la NES pour faire plus simple. J'ai choisi ce système 8 bits en particulier parce que c'est celui avec lequel je suis le plus familier. Donc, suite à quelques recherches, j'ai pu comprendre que la NES pouvait produire jusqu'à 5 sons simultanément. Il y avait deux voix qui produisaient des ondes carrées qui servaient essentiellement à la mélodie ou à l'accompagnement. Une troisième voix qui produisait des ondes triangulaires qui servaient essentiellement aux lignes de basse. Une quatrième voix qui produisait du bruit et qui servait à simuler des percussions. Et finalement, il y avait une cinquième voix qui était peu utilisée, qui pouvait faire jouer des samples. J'ai choisi d'ignorer cette cinquième voix dans la composition de ma pièce et de me concentrer sur les quatre premières. J'ai donc composé une première pièce en suivant ces restrictions, mais une fois qu'elle a été terminée, je me suis permis, par souci de liberté artistique, de sortir des restrictions, par exemple, en ajoutant plus de voix que ce que la NES aurait pu produire. Ça a quand même été un bon exercice de composer d'abord la pièce en ayant seulement accès à trois voix mélodiques, puis une voix de percussion. Et je crois que ça se fait ressentir dans la composition. Cette première pièce que j'ai composée, elle était surtout inspirée par de la musique d'aventure,
Mais le jeu a au final pris une tournure un peu plus de puzzle et d'action. J'ai donc composé d'autres pièces plus dans cette atmosphère-là. Au total, c'est 8 pièces que j'ai composées pour le jeu et je vais vous en présenter 5 dans la vidéo qui va suivre. La première que vous entendrez, c'est celle qui a d'abord été composée en suivant les restrictions que j'ai mentionnées plus tôt. Mon deuxième projet, toujours en musique de jeux vidéo, c'est le jeu Freaky, qui a été développé par des étudiants en informatique de l'Université de Sherbrooke. Il s'agit d'un jeu d'horreur dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler davantage le côté interactif de la musique de jeux vidéo. La musique est en deux couches, une calme mais angoissante et une plus intense et percussive. La couche calme sert de musique ambiante durant le jeu. On se promène dans les couloirs d'un hôpital glauque et sombre, où il y a un monstre auquel on doit échapper. C'est lorsque le monstre nous voit et qui se met à nous courir après que la couche intense s'ajoute à la première couche plus calme. C'est un projet dans lequel j'ai porté une attention particulière au timbre utilisé. J'ai cherché à ce que ça sonne creepy et angoissant pour la couche calme et stressant pour la couche intense.
J'ai par exemple utilisé des violons dans le très aigu pour le côté angoissant et un rythme de percussion pour le côté stressant. J'ai composé une mélodie et un accompagnement sans que ce soit tonal. Et le côté rythmique est bien présent, mais il se fait pas vraiment ressentir dans la couche calme, en dehors de la mélodie qui n'est pas présente tout au long. C'est vraiment la couche intense qui vient apporter le côté rythmique avec les percussions. Vous allez pouvoir entendre dans la vidéo qui va suivre d'abord la couche calme seule, puis l'ajout de la couche intense. Finalement, mon troisième et dernier projet que je vous présenterai s'intitule « Milieu ». Il s'agit d'un projet de séminaire de maîtrise en cinéma fait par mon frère qui me l'a gentiment prêté afin que je puisse composer ma musique par-dessus. Le film est constitué d'images de nature qui progressent tranquillement vers des images de plus en plus urbaines. Ça m'a fait penser au film « Koya Niskati » de Godfrey Reggio, dont la musique a été composée par Philip Glass. Si la première partie de ma composition est plus simpliste et d'une évolution lente, la deuxième partie s'inspire directement de la musique de Philip Glass dans Koya Niskati, une musique qu'on pourrait qualifier de post-minimaliste. À la différence de celle de Philip Glass, ma musique a une instrumentation plus électronique, contrairement à l'instrumentation acoustique dans Koya Niskati. J'espère que vous apprécierez ce dernier projet que j'ai à vous faire entendre. Merci de votre écoute.
J'espère que vous avez apprécié ce court résumé de ce que je fais dans mon parcours à l'université. Et merci de votre écoute. Je m'appelle Chrissy Gagné et je suis une compositrice au baccalauréat en composition à l'image à l'Université de Sherbrooke. Je suis une compositrice de musique orchestrale, chorale et électroacoustique. J'ai toujours été influencée par plusieurs styles variés, autant par le classique que le jazz, que la pop, que la musique de film et la musique de jeux vidéo. Alors, c'est dans les environs de ce que je compose. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter trois pièces qui ont pour but d'évoquer différentes émotions. J'ai eu la chance de créer ces pièces avec des professeurs très talentueux en cours privé dans la dernière année. Je vais donc vous présenter ma pièce Kenopsia, mon projet Tower Bower, ainsi que ma pièce Lune jaune. La première pièce que je veux vous présenter est une composition orchestrale que j'ai nommée Kenopsia. Le terme Kenopsia est un mot anglophone qui signifie l'atmosphère désolée d'un lieu généralement animé, mais aujourd'hui abandonné. J'ai toujours aimé trouver des mots pour désigner des sentiments que nous connaissons, mais que nous n'avons pas forcément la terminologie pour. Alors, c'est pourquoi j'ai été inspirée par la découverte de ce mot pour la création de cette œuvre dans le cadre de mon cours privé avec Benoît Groux. Durant ce cours, j'ai décidé d'observer la composition et l'orchestration de la pièce « Ma mère loi » de Ravel pour m'inspirer dans l'écriture de Kenopsia. J'ai décidé que je voulais explorer plusieurs textures orchestrales dans cette pièce, et on le voit très bien par des quatuors à cordes au début, en passant par des tutti, en allant au solo en fugue de piano, avec des sections mettant la harpe et le célestin en valeur. Alors j'ai également décidé d'inclure plusieurs éléments du contrepoint dans cette œuvre, tout en me donnant beaucoup de liberté avec celui-ci. J'ai également décidé de partager ce projet, puisque j'ai eu la chance de travailler avec Maxime Goulet, dans mon cours privé avec celui-ci, pour faire une maquette de cette œuvre. Je vais maintenant pouvoir partager cette pièce avec un meilleur rendu sonore sur mon site web, sur ma chaîne YouTube et partout. Je vais maintenant vous laisser écouter cette pièce. J'espère que vous allez l'apprécier. Thank you.
deuxième pièce, j'ai décidé de vous montrer une toute autre facette de ma personne en tant que compositrice et de vous montrer un projet électroacoustique que j'ai créé dans mon cours privé avec Thierry Gauthier. Dans ce cours, j'ai décidé de travailler sur le court-métrage Tower Bower. C'est un court-métrage de Théodore Ouchev qui fait hommage à l'art constructiviste russe tout en dénonçant l'utilisation de l'art au service de l'idéologie dans des propagandes, par exemple. Ainsi, on retrouve beaucoup d'éléments géométriques dans le visuel et j'ai essayé de recréer cette géométrie dans le son en utilisant principalement de la synthèse dans ce projet. Également, puisque c'était extrêmement carré, linéaire, triangulaire, j'ai voulu synchroniser ma musique aux éléments visuels le plus possible et pour ainsi ajouter un effet de géométrie au son également. Ainsi, il y a des moments qui deviennent extrêmement denses puisqu'il y a une superposition de plusieurs sons différents. J'ai fait beaucoup d'explorations et je tiens à faire un gros remerciement à Thierry Gauthier qui m'a laissé jouer sur ses propres synthétiseurs dans son studio à Montréal. C'était passionnant de voir tous les sons que nous pouvons créer avec la synthèse et je vous présente maintenant ceux que j'ai décidé de créer pour ce projet. Bonne écoute! Thank you.
Pour ma troisième pièce, j'ai voulu pousser la composition chorale avec Robert Ungari comme professeur privé. J'ai toujours adoré chanter dans des chœurs et j'ai toujours adoré la texture de plusieurs voix ensemble. Ainsi, ce n'est pas très surprenant que j'aie un intérêt pour la composition de ce genre de musique. C'est ainsi que j'ai créé la pièce Lune jaune, qui est une pièce pour chœur mixte a cappella. J'ai choisi d'utiliser un poème déjà écrit pour me concentrer sur la création musicale de l'œuvre. J'ai donc choisi le poème Lune jaune, écrit en 1902 par le poète français Henri de Régnier. J'apprécie particulièrement les mots qu'il utilise ainsi que les images qu'ils évoquent. Ce poète a créé un texte qui aborde la nature, notre tendance à la prendre pour acquis et ainsi la mort de celle-ci. Il reprend souvent les mots « savions-nous » dans son texte pour démontrer ses concepts et j'ai eu la tâche de le mettre en musique. Ainsi, j'ai fait évoluer ma pièce en développant ses paroles « savions-nous ». Malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de faire interpréter cette pièce par un chœur et pour l'enregistrer. Alors, je vous présente les sons très peu représentatifs de mon logiciel de partition. C'est aussi ici que j'encourage les chœurs qui cherchent des compositions originales à me contacter. J'espère que vous allez apprécier ma pièce.
Alors, pour conclure cette présentation, c'est avec fierté que je vous présente mes compositions de style varié, qui sont le fruit de presque 3 ans de travail. J'espère vraiment que vous les aurez appréciées et qu'en ces temps difficiles, vous avez eu un certain plaisir à nous écouter et à écouter mes compositions. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente. Je m'appelle Valérie Lambert-Fréchette. Je suis étudiante en composition de musique à l'image à l'Université de Sherbrooke en 3e année. C'est donc ma dernière année. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait de la musique, que ce soit dans des compétitions nationales ou provinciales, dans des ensembles vocaux, dans des big bands, dans des orchestres, même dans des comédies musicales. J'ai toujours été fascinée par cet univers, l'univers de la musique. Avant mon arrivée à l'université, j'ai eu une petite dérivation en nutrition pour me permettre de revenir plus déterminée que jamais. Ça m'a apporté beaucoup de choses qui, selon moi, me distinguent en tant que musicienne et compositrice. Avec mon souci du détail particulier, mon organisation hors normes et mon assiduité, chaque note est le fruit de quelque chose. Lors de la session d'automne 2020, il m'a été permis de travailler avec d'excellents mentors pour parfaire mes connaissances sur 2 sujets qui me passionnent particulièrement, dont l'orchestration et l'écriture jazz. Tout au long de cette présentation, il sera possible d'en apprendre davantage sur les projets que j'ai effectués. Dans le cadre de mes leçons privées à la session d'automne 2020, j'ai eu l'immense bonheur de travailler avec Maxime Goulet. Mon objectif premier était d'améliorer mes connaissances en composition orchestrale, dans des styles et des ambiances qui m'étaient non explorées jusqu'à ce jour. C'est pourquoi, mon premier projet que j'ai fait durant ma session, j'ai composé un thème lyrique, donc un thème qui est très chantant. Pour m'inspirer et me mettre un petit peu dans la sauce, j'ai analysé For the Love of a Princess, composé par James Horner, pour le film Braveheart, sorti en 1995. J'ai repris quelques éléments de mon analyse de cette œuvre-là pour les inclure dans ma composition. Tout au long de ce projet, j'ai éprouvé quelques difficultés au niveau compositionnel. En fait, je voulais commencer mon œuvre en gros crescendo et la terminer en grand décrescendo. Mais il ne me suffisait pas simplement d'ajuster les nuances, mais bien de trouver des agencements de timbres entre des familles d'instruments pour s'en aller graduellement à presque rien. J'ai donc dû travailler, changer mes idées 1 milliard de fois et j'ai analysé plusieurs finales d'œuvres dans le même style. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Thank you.
même cours que le précédent projet avec Maxime Boulet, j'ai pu travailler sur un thème de dessin animé comme deuxième projet. Pour ce faire, j'ai dû analyser les indicatifs musicaux des Jetsons, des Flintstones et des Simpsons. Les Jetsons et les Flintstones ont été sortis en 1962 et 1960 et composés par le compositeur Hoyt Curtin. Et les Simpsons, sortis en 1989, ont été composés par Danny Elfman. Les textures et les fragments mélodiques de ceux-ci m'ont aidé à tester plusieurs choses dans la section du milieu, dans la section du développement. Tout au long de ce projet, mon plus grand défi a été au niveau de l'harmonie. En fait, je voulais recréer une ambiance d'aventure, mais j'ai dû sortir un peu de ma zone de confort de la belle gamme de Do standard, mais de m'en aller dans des modes différents. Donc, alerte, terme spécifique et technique ici, j'ai utilisé le mode mix, dont le mode lydien, mixolydien bémol 13 et le lydien dominant. Sur ces termes presque scientifiques, je vous souhaite une écoute agréable. Dans cette dernière session, j'ai également eu l'immense bonheur de travailler avec l'orchestrateur et compositeur Benoît Gros. Rêve oublié, ma composition a vu le jour lors d'une soirée pluvieuse d'automne en crise sanitaire. Seule entre les quatre murs de mon appartement, je me suis mise à improviser au piano et à la voix. Le lendemain matin, j'avais un cours avec Benoît et justement, on se met à jaser ensemble. Puis là, je lui dis que je trouve ça difficile la crise justement pour la motivation. Je lui dis, je trouve ça difficile, les grandes questions qu'on se pose en fin de parcours. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis là, je lui dis, j'aimerais que tu écoutes ce que j'ai fait. Je lui montre et il a adoré. Il m'a fortement encouragée à aller de ce sens et de laisser de côté ce en quoi je suis habituée, donc la méthodologie et les règles strictes d'écriture, pour laisser aller mon cœur et mes sentiments pour faire un projet pour moi. Ça a été un gros défi, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis une personne qui fonctionne bien dans un cadre strict, puis qu'il faut que ça me prenne des règles et faut que ça soit organisé pour que j'avance. Et là, j'ai été laissée à moi-même, vas-y. Mon deuxième défi dans cette composition-là a été le facteur temps, parce qu'on a décidé de se lancer dans ce projet-là. Il restait à peu près 3 semaines à la session. Et avec le rendu de Sibelius, le logiciel d'édition, d'écriture musicale, ça ne donnait pas un beau résultat, c'était pas satisfaisant. Donc, j'ai décidé de trouver des musiciens, faire l'enregistrement, gérer les horaires, faire le mix et de vous la présenter aujourd'hui. Ça a été un gros défi de taille, mais je crois l'avoir relevé. Donc, laissez-vous bercer par la douce interprétation des musiciens et des musiciennes de l'École de musique, que je remercie du fond du cœur d'avoir participé à cette vidéo. Leur nom va figurer dans la vidéo. Thank you.
Au travers de tous ces projets, je peux affirmer que mon désir d'améliorer mes compétences en composition orchestrale et en écriture jazz a été accompli. Que ce soit par mon thème lyrique ou mon thème de dessin animé, ou même ma composition chouchou, Rêve oublié, je sens que je suis sur la bonne voie pour devenir une compositrice compétente aux sonorités à mon image. Espérant que vous avez apprécié embarquer dans mon univers le temps d'un petit moment. Merci de votre présence. Bonjour, je me présente Philippe Poulin, compositeur et musicien. J'ai le parcours typique du musicien sherbrookois. Je suis allé à Sacré-Cœur, à Mitchell-Montcalm et au cégep de Sherbrooke. Me voici bientôt à la fin de mon parcours universitaire, durant lequel j'ai pu confirmer ma passion pour la composition et m'en découvrir une nouvelle pour le cinéma. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter deux de mes projets de la dernière année, des projets que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire et qui, j'espère, vous feront autant plaisir à entendre. Le premier projet que je veux vous montrer est un montage d'extraits de la musique que j'ai faite sur un court-métrage documentaire déjà existant. Le film s'appelle Pitawekek, qui est le nom Mi'kmaq de l'île Hog dans la province de l'île du Prince-Édouard. C'est un endroit d'une grande richesse d'un point de vue historique, archéologique, écologique et géologique, mais aussi d'un point de vue spirituel, pour la communauté autochtone qui y vit depuis des millénaires. En tant que compositeur, j'avais pour mission d'illustrer par ma musique ces différents aspects de l'île, autant le mode de vie rural de ses habitants que les lieux sacrés, la formation de roches ignées ou la découverte d'un morceau de poterie vieux de plusieurs centaines d'années. Les images que vous allez voir ne sont pas tirées du film, mais ce sont des photos de l'île Hog et des dunes de sable de la région. J'aimerais remercier mon professeur Robert Marcel Lepage pour ses conseils et ma collègue et amie Valérie Lambert-Fréchette pour son interprétation au chant et à la flûte. Sur ce, je vous souhaite un bon voyage dans les Maritimes. Thank you.
cours de mon parcours universitaire, j'ai eu la chance de me découvrir un grand intérêt pour la musique électroacoustique grâce aux cours donnés par Thierry Gauthier. Créé dans le cadre de mes cours privés avec lui, la prochaine pièce que je vais vous présenter s'intitule « Ultraviolet ». Elle est née d'un défi que je me suis donné. Créer une pièce uniquement à partir de la combinaison d'une session d'enregistrement de piano acoustique et de son de synthétiseur. Ce projet-là m'a amené à faire beaucoup d'expérimentations et de recherches sonores, non seulement sur les synthétiseurs, mais aussi sur les manières de traiter mes enregistrements de piano acoustique pour arriver à de nouvelles sonorités intéressantes. Le projet s'est étiré sur une très longue période de temps à cause de la pandémie. Censé se finir en avril dernier, il s'est finalement fini en octobre. Ça m'a permis d'en faire une première version durant l'été et de la retravailler énormément au retour à l'école en septembre, lorsque je l'ai fait écouter pour la première fois à une autre personne que moi-même. J'en suis arrivé à une pièce que je qualifierais de personnelle et cinématographique, dans laquelle on peut entendre des influences de certaines pièces du pianiste Nils Fromm et de la bande sonore des films Blade Runner. Merci à Thierry Gauthier pour ses commentaires et à Samuel Pomerleau pour son aide au mixage. Sans plus attendre, Ultraviolet. Thank you.
Merci de votre écoute. J'espère que vous avez apprécié et que ces extraits vous ont donné un bon aperçu de mon univers musical. Bonjour tout le monde, mon nom est Dominique Brouillard, présentement finissant en composition musicale et images à l'Université de Sherbrooke. Je suis compositeur, arrangeur et orchestrateur, principalement de musique orchestrale, symphonique, en orchestre typique. Comme plusieurs de mes collègues, j'ai un parcours je dirais atypique. J'ai été premièrement ambulancier dans la ville de Montréal et suite à plusieurs problèmes liés à ce métier, j'ai décidé de changer de métier et d'aller en musique. Fait mon piano classique au Cégep de Trois-Rivières sous la direction d'André Gagnon et maintenant je suis finissant à l'Université de Sherbrooke en composition. Quand même un parcours intéressant. Pour présenter mes projets, je vais commencer par les projets liés à ma recherche qui est sur le métal symphonique, qui est un genre de musique que j'écoute depuis très longtemps et qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai fait des arrangements avec sous la direction de Benoît Groulx. Sous Benoît Groulx, j'ai fait plusieurs arrangements depuis un an, mais je vais vraiment choisir cet arrangement à vous présenter maintenant, car c'est un arrangement qui avait ses difficultés, qui est dans un style metal, rock, pop. On pourrait débattre longuement du style, mais j'ai fait beaucoup d'apprentissage sur comment renouveler du matériel répétitif et garder l'intérêt constant, tout en conservant le langage symphonique d'un orchestre. Donc, je vous présente l'arrangement et l'orchestration de la pièce « Only the Broken Hearts Make You Beautiful » de Sonata Arctica. Thank you.
Donc, pour mon deuxième extrait en lien avec ma recherche, j'ai été avec un projet de production personnelle qui est en production depuis plusieurs années. C'est un album de power metal avec des éléments symphoniques. C'est un rêve d'adolescence que je m'étais promis environ à l'âge de 15 ans qu'un jour je ferai cet album. Et malheureusement, pas seulement à cause de la pandémie, il y a du retard, mais je ne suis pas pressé, c'est la qualité qui compte. Donc, dans cet extrait d'environ 1 minute 30, il va y avoir deux de mes pièces. La première qui va vraiment représenter l'utilisation de cordes pour accentuer un moment fort. Et le deuxième morceau, dans lequel je suis d'ailleurs le batteur, parce que des fois, il faut savoir interpréter dans une session d'enregistrement. J'utilise beaucoup plus les chœurs pour venir accentuer le côté émotionnel d'un passage rapide où il se passe beaucoup de choses. Mon projet n'a pas encore de nom, mais présentement, on l'utilise beaucoup sur le projet Wanderers. Et c'est moi qui ai composé cet album. Donc, bonne écoute. La deuxième partie de la présentation de mes projets va être à propos de la musique de commande que je fais depuis quelques années. Je suis un régulier de tout ce qui est grandeur nature et donjons et dragons. Et je travaille présentement en collaboration avec l'Enclave qui se passe au centre du Québec dans le cadre d'une visite virtuelle d'un château de la Renaissance, car en temps de pandémie, les activités ont cessé et l'organisateur veut maintenir l'endroit en vie. C'est un projet quand même assez grand. J'ai composé avec Maxime Goulet, sous la supervision de Maxime Goulet plutôt, le thème principal qui va être joué en boucle pendant toute la visite. S'en suivra ensuite plusieurs sous-thèmes, mais beaucoup moins développés. C'est un projet qui, si bien réussi, ce que je suis certain qu'il va l'être, va mener à encore plus de développement pour l'enclave. Donc, sans plus attendre, je vous présente la boucle audio qui va être jouée, ainsi que l'introduction qui va la précéder. Thank you.
Et pour terminer mon dernier projet, je vais présenter une autre musique de commande qui cette fois a été commandée par un ami pour débuter ses parties sur table de Donjons et Dragons, pour vraiment agrémenter l'esprit d'aventure et d'épicness qui agrémente les parties de Donjons et Dragons. C'était ma première commande où j'ai fait la production complète avec l'aide d'Olivier Béliveau au mixage. Et c'était sous la supervision de Samuel Galleur-Larouche dans mon cours privé. Donc, pour terminer cette présentation, un thème de musique épique. Pour conclure, ces deux sortes de projets représentent vraiment qui je suis et quel carrière je veux faire en musique, soit de l'arrangement, de l'orchestration et de la musique de commande, surtout du niveau symphonique et orchestral. Personnellement, j'ai fait d'autres sortes de musique, de la musique de synthétiseur, de la musique ambiante, de la musique piano, mais ce sont vraiment ces projets qui représentent mon cheminement à l'École de musique de l'Université de Sherbrooke. En espérant que vous avez apprécié, bonne journée. Merci à vous tous de vous être déplacés pour cette présentation enregistrée devant public et en vous souhaitant un retour sain et sauf dans vos maisons. Comment j'ai fait ça? Que j'avais un intérêt. Non, je vais recommencer. Je dis n'importe quoi. J'ai pas regardé ma feuille pendant un instant, puis ça l'a chié. Je recommence. One take. Pour cœur, misc. Shit! Faut que je recommence complet! Viens avec ma recherche. Objectif. Voilà. Je vais recommencer. Il n'y a pas de conclusion. Objectif. Donc, pour conclure cette présentation, j'ai rien à dire. Tu peux prendre le temps que tu veux. Faut pas me dire ça. Conclusion prise 1000, 3, 3. Extrait 2, prise 3. Ish. Dernier extrait. Après, c'est la conclusion. Faut que je danse. C'est clair. Je vais mon silence. Ça sent vraiment comme si j'annonçais genre le prochain confinement. C'est stressant quand même. Engagez-moi, s'il vous plaît. Et donc, silence qui va être coupé. Je prends une respiration. Pour conclure ma présentation, au revoir.